en soi. Un peu, s'il vous plaît. Je vais vous connecter. J'en ai pour uniquement 32 minutes. J'en ai pour 30 minutes uniquement. J'en ai pour 30 minutes. Veuillez vous connecter. Veuillez partager un peu la vidéo. Voilà. Veuillez vous connecter, s'il vous plaît. J'en ai pour 30 minutes. Je parle un peu au Shiga. 30 minutes. Donc je donne d'abord son café. Avant maintenant que le week-end je donne ses vérités. Parce que je dois un peu l'éclaircir. Donc veuillez partager la vidéo. On passe quelques minutes à Oshiga. Elle dit qu'elle est la reine des scarabées. Elle est la reine des scarabées. Elle dit qu'elle est la reine des scarabées. Oui. On va lui montrer que nous on est les abeilles. Comme elle reste la reine scarabée là. On va montrer que l'abeille pique. Quand l'adrénaline de l'abeille veut un peu piquer là. Voilà. Ça pique. Exactement. Ça pique bien même. Ça, on va montrer que ça. Comme t'as chou, Michédé, tu m'aimes quoi? Et t'as demandé que où tu fais quoi dans les ténèbres? Où tu fais quoi dans les ténèbres? C'est que moi, je n'aime pas les gens qui sont dans les ténèbres. Donc, partagez la vidéo. J'ai 4 mots à donner au Shiga. 4 mots. Avant de faire des. J'ai 4 magina à négliger, au Shiga à protéger. Tu. Les bêtises comme ça. Donc, tu crois à la relation là. Donc, tu crois à la relation là. Hein? Comme t'as tué Michédé. Et elles sont là, ils veulent l'affaire depuis que le passage de Shigala. J'ai même pas voulu mettre ma caméra parce que tout ça. J'ai pas voulu mettre ma caméra pour parler des bêtises. J'ai pas voulu. Quand tu es une artiste qui chante, mais ma soeur, tu te respectes. Hein? Oshiga, tu es blogueuse ou bien tu es clasheuse. Tu peux nous dire, Oshiga. Mais partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pipez les voisins. Il y a deux mots à donner à Oshiga. Ma soeur. C'est mon gars. Oh, un peu. Oh, Nougotik, c'est mon gars. Nougotik, c'est ton gars où? C'est ton gars où? Hein, Oshiga? Montre-nous alors. C'est le buzz, zéro relation. Oui, Virginie Muriel. C'est le buzz. On ne croit pas le buzz. On est sur la toile depuis combien d'années? On est sur la toile, on voit comment ça se passe. Nous, on connaît le buzz. Nous, on connaît le buzz. Tu demandes, donne-moi l'enfant d'un créateur de buzz. L'enfant d'un créateur de buzz. Je veux voir les histoires. Je vais dire que quoi? Je veux voir les histoires, les bêtises comme ça. Si vous voulez que moi, je crois à vos corrélations là. Vous comprenez un peu? Vous allez vous embrasser. Vous allez faire le bouche à bouche comme les blancs font souvent le bouche à bouche. N'est pas dire que vous vous collez les lèvres. Hein? Comme vous savez que non, la meilleure team, c'est les abeilles. Vous allez partir crier à l'émission que wow, c'est mon gars, c'est mon gars. Donc, vous voulez que les abeilles déposent la caméra. Hein? Que nous, on va déposer la caméra pour vous insulter, même pour faire quoi? Pour vous larguer. Hein? Pour nous larguer. On ne connaît pas le buzz. Hein? Demandez-moi que Priscaline. Arrêtez d'aller mettre. Franchement, hein? Demandez-moi que Priscaline, le truc, c'est le buzz ou bien c'est la réalité. Je vais vous dire. Vous savez que ça, vous savez que. Et quand Oshiga fait les vidéos, elle a les minables, les 22 vues. Elle a à peine 100 personnes connectées. Si elle a 100 personnes connectées sur sa page, c'est lorsque elle clash la mafo. Lorsqu'elle insulte la mafo, quand elle a seulement plus de 100 personnes connectées sur son mur. Oui. Elle a refusé d'aller donner le zout au manager là-bas. Elle d'abord, Dieu, tu passes autant à insulter les gens, mais c'est toi qui veux que les gens lancent les litchis. Hein? Pour que tu sortes l'album, Yvou. Tu ne connais pas le rôle des musiciennes? Quand tu es musicien, il y a des personnes à contacter. Allez sur mon snap. Allez sur le snap de Shiga. Elle,
a les photos avec Amel Kamel dans les positions rocambolesques. Ah, Choupi Vanessa, je suis encore pas. Choupi ma Vanessa, qu'est-ce que tu dis comme ça? Ça veut dire que quoi? Bref, me détourne pas pour le côté là. Moi, je veux voir. Oui. Je veux voir les preuves que la relation là, c'est la vérité. Moi, je veux voir les preuves. Choupi Vanessa. Moi, je veux voir. Moi, je n'ai pas vu. Il faut voir les vidéos de comédie, mon frère. On est sur la toile depuis. Parce que vous voulez que les abeilles, que non, la meilleure team va mettre la caméra pour dire que. Hein, pour. Non, n'attends pas le piège. Hein. Si vous avez vraiment la relation, la mère, il doit être vrai devant vous. Dougoutique, il doit être vrai. Il doit être vrai. Dis aux gens, tu fais une relation. Celle-là, elle a. Tu cours. Ou c'est Patricia Mbagada. Patricia Mel, tu cours. Comme tu cherches trop le Japapla. Tu cours. Tu viens pleurnicher. Hein, Oshigano, hein, j'étais toujours admiré. Hein, Oshiga, hein, franchement, tu l'as admiré où? Tu es en train de discuter avec Amel, avec elle. Tu discutes avec Amel. Tu peux nous expliquer pourquoi tu n'es pas parti soutenir Oshiga à l'émission? Parce que tu es fausse. Parce que tu sais que tu goûtes son 53 cm. Oui, oui. Partagez-moi la vidéo. Donc on dit c'est une vérité. Oui. On dit c'est une vérité. Dougoutiki, tu es venu ici, tu nous as parlé de Sheila, les Sheila, les Modestine et consorts. On a compris, mon frère. Mais avec le dossier d'Oshigasil, que tu veux lancer là, abandonne d'abord le dossier de Patricia Mel. Abandonne. Abandonne d'abord le dossier de les vieilles chouettes, des vieilles mères. Faut voir comment elle pose. Quand Amel défendait Mafo, la jalousie pouvait traverser l'esprit de la fille. Elle n'a pas écrit à Mec, c'est comment? Non, si tu m'aimes, tu dois être du côté des ténébreux. Hein? Comment se fait-il que. Où Mec est placé là? Les followers, il manque un peu. Donc il attend seulement l'occasion, la virgule. Il attend une petite virgule pour aller demander les excuses à Zezemot, pour aller faire la paix avec Zezemot. C'est d'elle qu'il parlait, sortez au. Ouais, elle a pu. Pardon, partagez la vidéo. Parce que quand les gens là mettent les caméras pour vouloir insulter, pour vouloir critiquer, hein, pour vouloir critiquer les lumineux, pour raconter les histoires, ils ont créé même une bête histoire. Je connais le buzz. Moi, Priscaline, je connais le buzz. Oui. Je connais le buzz. Je maîtrise le buzz. Vous comprenez un peu? Oshiga est à la recherche de la visibilité, ma soeur. Mais si tu es à la recherche de la visibilité, hein? Si tu es à la recherche, une comme Patricia Gemel, c'est une fille qui était trop jalouse. Elle était trop jalouse quand Amel lui avait ses poulaillers. Elle a tout fait. Elle a porté tous ses poulaillers. Il allait donner à Ndougou. Il allait donner à celle-là, Patricia Gemel là-bas. Mais vous voyez quand elle met souvent la caméra. Oh, pas poulet. C'est pour voiler nos yeux, les followers. C'est pour voiler nos yeux. Elle dit pas poulet. Ce sont les poulets de Amel Kamel qui passent le temps à vendre au Cameroun. Ce sont les poulets d'Amel Kamel. Posez-vous la question que où sont passés les poulets d'Amel Kamel à un moment donné. C'est Goné. C'est à elle. Il a dit que je voyage. Il a donné tout ça à Patricia Gemel. Il a donné tout ça. Mais là, il faut voir quand la vérité sort. Moi, c'était il y a trop ici. Il y a les messages où tu causes avec Amel Kamel. Tu causes avec Amel Kamel. Tu dis à Amel Kamel que Amel Kamel laisse les clashs. Que non, je ne peux pas être en couple avec toi. Hein? Mais tu passes le temps à insulter le président Amoud. Et pourtant, tu sais que Zezemot, c'est mon. Et pourtant, tu sais que le couple complet, c'est mon père. Oui, oui. Patricia Gemel. Oui, oui. Vous posez-vous la question, les followers, que Dougou Tiki a fait comment pour ne plus être dans les clashs? Dougouti qui a fait comment pour. Et dès que il a un peu mis deux points comme ça, dès qu'il a mis deux points, la fille de Patricia Gemel, elle a directement posté la publication de Amel Kamel pour dire que son show a enfin laissé les clashs. Moi, Oshiga, c'est une fille que moi je l'apprécie. Tout à l'heure, franchement, ma grenade était trop élevée. Peut-être qu'elle va croire que je suis
parce que j'ai un peu elle lance un mot genre pour dire les fanbase là. Moi j'apprécie cette fille en fait. Moi j'apprécie son courage, vous comprenez un peu. Mais je ne peux pas tolérer parce que de toute façon non, la fille a pleuré, elle s'est torturée à Mondovision pour dire que oh non 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 Dougouti que non Dougouti qui dès qu'on prononce Mandougouti on prononce Mandougouti qui wow hey, c'est mon gars un peu mon gars mon ma chérie dans les ténèbres là celle que tu dis que rêve Mbinda c'est ma joujou rêve Mbinda c'est ma joujou je suis sûr que rêve Mbinda est au courant que Amer Kamer a une relation avec Paris Saint-Germain. Il dit que c'est une relation de deux. Il vous fait croire que c'est une relation de depuis 2 ans. Mais cette relation, ça continue toujours. Et tu te... Attends. À l'émission, on a posé la question que... Est-ce que vous sortez avec Oshiga? Il était incapable de répondre. Parce qu'il connaissait les retombées. Il connaissait ce que Patricia Gemel va dire par derrière. Il connaissait que Paris, ça va chauffer, il n'y a pas derrière. Donc, il a fallu qu'il tourne, il tourne, il veut jongler. Vous connaissez que les hommes aiment sortir avec plusieurs gars. Oui, oui. Et en plus, un blogueur comme Amer Kamer, là, que chaque femme... Vous pensez qu'en tous les jours, vous dites que Amer Kamer a 53 cm, hein? Patricia, je me connais que Amer Kamer possède ses 53 cm. Oui! Elle est, maintenant, elle court. Tu as compris quand la vérité est sortie. Tu cours, tu viens dire que non, Amer Kamer, je suis Amer Kamer parce que, oui, l'entrepreneuriat où tu as mangé ces 53 cm. Tu as mangé ces 53 cm. Est-ce que ton couple est au courant que tu as mangé les 53 cm d'Amer Kamer? Est-ce que ton couple est au courant? Non. Mais il faut voir cette période. Cette période, quand on a arrêté Dungu Tiki, Patricia Gemel, tu peux dire ce que tu faisais derrière ton couple? Tu faisais des choses derrière. Oui, tu as tout fait. Il dit que hein, les followers, il manque seulement la virgule comme ça, la virgule. Donc il faut qu'elle tape le terrain pour savoir si le couple sera capable de pardonner Amer Kamer et oublier tout. Vous savez, le côté là, c'est très difficile. Donc, elle est en train de tâter encore un peu le terrain. Bientôt, vous allez voir un mec avec la caméra ici, là, pour dire que... non, celui-là. Que non, non, ne faut pas insulter à me... Il a commencé à dire que n'insultez plus les femmes sur mon mur. Il a commencé à vous dire que n'insultez plus Lolo sur mon mur. N'insultez plus une dimtête sur mon mur. Il a commencé à vous dire ça. Il a commencé, non. Mais vous en attendez-vous que peut-être que d'ici 2 mois, un mec va mettre sa caméra pour inviter même le couple complet. Vous comprenez un peu. D'ici 2 mois, il va mettre sa caméra pour inviter le couple. On peut dire que, ouais, non, la période là, j'étais trop fan de Mafo. C'est la raison pour laquelle je te défendais. Bref, le cola, je n'ai rien à foutre avec ça. Mais je dis juste que, Oshiga, la façon dont toi, tu es amoureuse de Nouchi qui là, la façon dont tu es amoureuse, tu sais, nous autres, on a mis les caméras ici, mais pour nous, c'était une fausse histoire. Oui, mais pour toi, là, la façon dont tu te mets, donc tu es emballé, tu es même capable de porter ton héritage pour aller donner à Nougou Tiki, ma soeur. Tu es capable de porter ton héritage pour aller donner à Amer Kamer. Tu es capable de porter ton héritage pour faire seulement très attention. Tu sais, dans une relation, les débuts sont toujours sucrés. Hein? C'est tout sucré. Tu vas beau marcher partout. Tu vas dormir, tu penses à lui. Tu vas vouloir manger. Tu vas vouloir penser à lui et qu'on sort. La relation, que je dis même pas Christian Mel là, elle n'est pas la seule. Il y a une autre fille dans Facebook, c'est là que je ne veux pas citer son nom. Il y a une autre fille. Pour Patricia Mel. Amer Kamer sort les... Elle est venue mentir dans ton live pour voiler tes yeux, pourquoi tu ne parles plus trop. Parce qu'il y avait près de 500 personnes devant toi. Elle est un peu venue faire comme si tu étais... Elle était trop fan de tes poulaillers. Oui. Patricia Mel. Assume la relation. Donc vous partez derrière, mais vous avez peur de venir afficher. Hein?
Vous avez peur de venir, afficher. Hein? Le dernier rendez-vous était en Kondengi. Le dernier rendez-vous, c'était en Kondengi. Est-ce que les pipimaniens étaient au courant que toi, tu as rencontré Ndougou Tiki? Les pipimaniens étaient au courant. Hein? Au maison. Est-ce que les pipimaniens étaient au courant? Non. Ils n'étaient pas au courant. Tu as caché. Mais pourquoi tu veux que Pipitologue te soutienne? Et pourquoi tu fais comme si tu détestes trop Amé Kamé? Comme si tu détestes trop Amé Kamé. Quand on parle d'Amé Kamé, l'anganais n'est pas souvent trop intéressé. Hein? Elle vient parfois, elle découpe aussi les vidéos comme ça pour poster, pour me faire croire que oui, elle a écouté le direct, qu'elle a suivi l'actualité. Tu n'aimes pas Oshiga. Tu n'aimes pas Oshiga. Tu es jalouse d'Oshiga. Parce que Dougouti qui a dit qu'il n'aime pas les grosses mamies, là que tu as le gros nez. Il préfère Oshiga parce que Oshiga est mince. Oui, oui. Mais juste que, il y a un truc que Oshiga, tu risques de perdre Dougouti. Dougouti, que tu vois là, c'est un type que. C'est un homme que. Et d'abord, comme on le voit sur les réseaux sociaux, les gens l'insultent beaucoup et qu'on sort. C'est un gars que les filles l'aiment beaucoup. Tu es bipolaire. Tu fais quoi dans le direct? Attendez, il y a quoi ici? Priska, tu penses quoi du problème de Mbunga et du cas? Mbunga et comme t'as tu me chédais, ne me détourne pas mon sujet. Faut pas me détourner mon sujet. Laisse-moi dire ce que moi j'ai à dire. Partagez la vidéo, les followers. On donne la dose de Oshiga. On doit donner certains véritables Oshiga avant qu'un aille en mariage. Oui, oui. Si tu planifies faire un mariage avec Amé, Oshiga. Moi, je te dis la vérité. La famille partage la vidéo, je prends 31 personnes, mais c'est la lumière. Comment se fait-il? Vous ne partagez pas, c'est la lumière. Partagez la vidéo. On a fait les lives comme si on était dans les ténèbres. En plein 20h06, là, il est lumineux. Les patrons ne sont pas connectés. Attendez, je regarde. Les patrons ne sont pas connectés. Vous ne partagez pas la vidéo. Oh, ça, c'est la vieille chouette. Je n'aime pas écouter sa voix. Hein? C'est la lumière. Partagez la vidéo. Partagez. Les patrons ne sont pas connectés. On est seulement 35. Ce n'est pas une bonne chose. Un partage les followers. Non. Partagez. Partagez parce que l'information que je donne là. C'est l'information qui peut même. Peut-être qu'il peut même sortir dehors là. Oh, les gens me tamponnent au ban, au fou, me donnent les paires des claques. Mais pour le bien d'Oshiga, comme elle veut montrer qu'elle est trop amoureuse, il faut qu'on lui dise certaines vérités. Moi, je vois un seul partage des followers. Non, partagez. Je sens que je dis. Un seul partage, 4 likes, 14 commentaires et il y a 36 personnes et followers. Non, c'est quand même la lumière. Il n'y a pas de ténèbres ici. Hein. Il n'y a pas de ténèbres ici, là. Il n'y a pas. Il n'y a aucun ténèbres ici. En dehors de Kamta, tu bichedé. Bonsoir, Flo Semeni. Il n'y a aucun ténèbres ici. Oui. Il n'y a aucun ténèbres. Je vois la blabuti. Ah, elle a dit qu'elle est sortie des ténèbres. Je vois la blabuti. Elle est sortie des ténèbres. Donc, c'est dans. La blabuti, tu peux aussi partager. Hein? Oui, oui. Partage le live. Les followers. Vérifiez si la blabuti a partagé sur son mur. Hein? Vérifiez. Vérifiez parce que. Elle a dit qu'elle est électron. Bonsoir, vieille chouette. La blabuti, tu as dit que tu es électron neutre maintenant. Donc, partage le direct sur ton mur. C'est de ça qu'il s'agit. Partage, vérifie les followers. La blabouti a partagé au direct. Il faut qu'on vérifie. Parce que tu as dit que tu es électron neutre. C'est-à-dire que tu vas partager les directs des lumineux et les directs des ténébreux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc la blabouti partage le direct. La famille, je vois un. Attendez. On dit on est partage là. Moi, ici, là, je vois un seul partage. Je vois un seul partage. Ou bien il y a plus de partages. Un seul, 40 personnes, un seul partage, comment? Non. Partagez la famille. Il faut qu'on ait 125 personnes. Ce sont les ténébreux qui font des directs comme ça. Qui font les vidéos. Partagez. Et vérifiez. Hein? Attendez, je regarde le mur de celle-là. De la blabuti. Voilà. Il y a une maman qui dit qu'elle a partagé. Voilà. Attendez, on vérifie. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est la lumière. Ça, j'ai partagé. La blabouti. Non, vérifiez. Hein. Non, vérifiez les abeilles ici. La blabouti a partagé. Hein. On est déjà 46. Bipé. Partagé. Attendez, je tape. Je tape la blabouti.
Et la Black Beauty, tu as dit que tu es dans la lumière, tu es dans la lumière et dans les ténèbres en même temps. Tu es l'écran neutre. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Bah, quoi ne s'affiche pas? Attendez un peu. J'y vais avec notre compte. Mais je suis allée avec Pascaline officielle. Bon, j'y vais avec notre compte. Devant mon nom, il y a le signe de partage. La Black Beauty dit que devant son nom, il y a le signe de partage. Voilà. La Black Beauty. Toi-même, c'est normal que Patricia Gemel, qu'elle fasse une relation en cachette avec Dougou Tiki. Toi-même, c'est normal ça. Et après encore, et Oshiga ignore la relation. Toi-même, tu n'aimerais pas que nous, on parle? Que je parle? Parce qu'on peut, tu sais, quand tu fais les émissions, là, hein, il faut que tu fasses un thème, la relation entre deux proches. Parce que, elle allait faire croire à Oshiga qu'elle aime trop Oshiga. Et pourtant, elle utilise 53 cm derrière. À Caprice, qu'elle n'oblige pas les gens. Ogre Kawali, comment tu vas, ma soeur? Ouais, toi, il y a un temps que toi, tu deviens bipolaire. Moi, je n'aime pas ça, Ogre Kawali. Tu es dans la lumière. Quand tu es ici, moi, je te respecte comme je respecte mon continent. Comme je respecte, il y a plusieurs là, plusieurs lumineux là, que je vois souvent, je les respecte beaucoup, mais je ne comprends pas. Voilà, la Black Beauty a partagé. La Black Beauty a partagé. Ça prouve que, donc la Black Beauty est vraiment dans la lumière. Elle va sauf que obligée pour la Black Beauty. La Black Beauty, tu peux me dire combien de partages tu as? Ah, on demande des partages. J'ai combien de partages? Je viens de voir que la Black Beauty a partagé le direct. Bon, il faut qu'on essaye de voir combien de partages c'est. Comment je vais faire? Oh là là. Mais il faut que je mette quelqu'un administrateur sur la page ici, hein, franchement. Oh là là. Non, la Black Beauty, bienvenue dans la lumière. Bienvenue. C'est comme ça. Patricia Gemel, cesse de mentir, pupitologue. Toi-même, tu es jalouse de pupitologue, Patricia Gemel. Tu es jalouse de pipi. Toi-même, tu es placée là. Si pipi donne l'occasion, tu vas éteindre la télévision là. Tu es jalouse. Tu sais que si tu abandonnes pupitologue, qui va encore te suivre? Oui, oui. Qui va encore te suivre? Qui va te suivre? Hein? Oshiga, comme tu sais que non. Oshiga a un peu le soutien de... Elle a un peu le soutien de la toile. Tu viens... Oshiga, non. C'est faux, hein? Je ne t'ai jamais détesté. Tu n'as pas appelé à l'émission, pourquoi? Voilà l'occasion. Voilà l'occasion que toi, Patricia Gronné, voilà une occasion en or que tu devais appeler à l'émission pour soutenir Oshiga. Pour montrer au peuple que tu as abandonné 53 cm. Mais tu es resté à le cache. Tu es resté à l'écart. Tu es resté à l'étage, Gronné. Tu es resté à l'étage. La jalousie de ça. Quand Oshiga dit que, wow, c'est mon gars. Wow, c'est mon décomprononcement de Gouti qui est Oshiga peut mourir. L'amour est mou. Oshiga, attends. Tu ne savais pas que tu devais tomber amoureuse un jour? Ou bien les vieux gars de Paris là. Hein? Les vieux gars, les hommes comme les Otamtons abandonnés. Ils ont dit que non. Que toi là, on ne veut pas le riz, non, on veut le couscous. Donc tu tournais comme un mauvais esprit, tu mettais la caméra, tu insultais à mes camins. Oshiga, et pourtant tu étais amoureuse. Donc tous les jours quand le morgue m'insultait pour faire que Puskaline tu en jachais. Oh Puskaline depuis les années tu ne tournes pas. Oh Puskaline tu ne tournes pas depuis les années. Donc Oshiga, toi moi aussi longtemps te gérais. Je veux tout voir à Facebook. Donc longtemps te gérais, même si Ducamé te donnait l'occasion là, tu allais tomber. Oui, oui. Parce que Ducamé n'a pas donné l'occasion à Oshiga. Donc, tu en jachais comme ça, là. Même si c'est le morgue qui dit que Oshiga, je veux te touma. Oshiga. Moi, je suis dépassée. Je le suis dépassée. La jachère touche les filles ici comme ça, là. Et il faut voir comment ces personnes, que vraiment, elles étaient où c'est coagulé jusqu'à. Dans le camp, te gérait jusqu'à le camp. Oshiga. Donc même quand Otam venait faire le dire pour dire que j'ai attaché pipi. Donc tu voulais qu'un Dougouti qui t'attache. Hey. Tu voulais qu'un Dougouti qui t'attache aussi. Maman, non, Facebook.
Personne n'a dit, c'est mon gars. Dugo Tiki, je l'aime jusqu'à. Oh, quand on prononce ce manga, je peux die pour lui. Oh, je peux die pour lui. Entre temps aussi, entre temps, Patricia, je m'en dit que celle-là qui dit que c'est mon gars là. Hein? Pardon, on finit là-bas, elle finit dans ton émission là. Après, je vais aller ramasser mon 53 cm. Oui, oui. Faut voir comment ces personnes. Ils ont. C'est pour ça qu'on vous dit que quand votre gars c'est un peu, quand ton gars c'est un peu, je vous dis la vérité. Parfois, ne parlez pas trop de votre gars. Modestine, tu es venue parler de Amer Kamer ici. Voilà ça que Patricia a grogné. Elle passe le temps à manger ton 53 centimes que derrière. Mais elle vient sur la page, elle fait comme si elle t'aime. Et pourtant, elle ne t'aime pas. Et pourtant, elle mange ton pain croustillant. Demandez le bazooka, demandez la taille du bazooka de Amer Kamer à Patricia Gemelle. Elle connaît. Elle connaît la quantité. Amer Kamer, franchement, j'étais tellement à bout. Oui. J'étais tellement à bout, il fallait que je tape ça sec. Il fallait que je dise ça aujourd'hui. Il fallait que je dise ça aujourd'hui. Et si je me donne l'occasion, Amer Kamer, je poste des conversations où elle te demande rendez-vous. En France. Où elle te supplie que vous rencontrez à tel hôtel. Oui, oui. Si tu me donnes l'occasion, Amer Kamer, je balance ça. Moi, je n'aime pas ça. Arrêtez de faire le faux. Quand tu aimes un gars, assume-toi. Tu sors avec lui derrière. Par qui s'agit, mais tu n'assumes pas la relation. Pourquoi? Hein? Pourquoi vous faites ça? Amer Kamer, ce n'est pas un bel homme. Il n'a pas eu le droit à l'amour. Il n'a pas eu ce droit-là. Tu supplies Amer Kamer que non, ne parle pas sous la toile. Ne parle pas. Ne parle pas sous la toile. Amer Kamer, donne-moi l'occasion. Je balance les conversations là. Ou Patricia Gemma, elle te supplie comme un bébé. Tu supplies Amer Kamer. Tu supplies. Vous pensez que elle, pas méchant. Imaginez, regardez un peu. Elle passe le temps à insulter pas méchant. Mais qu'elle va mettre sa caméra pour laver de gouttes comme ça là, c'est difficile. Elle ne peut pas. Si Patricia Mel, elle clash de gouttes, c'est que gouttes qui a dit que gars, l'affaire là, les gens sont en train de soupçonner des gens que toi et moi. Est-ce que certaines personnes sont au courant que Patricia Mel est partie à Mandomba? Hein? Est-ce que vous êtes au courant? Quand on disait que la maison est comme ça. Patricia Gemelle, tu connaissais déjà. Tu as même contribué à la cellule de Ndougoutiki. Tu es parmi des personnes qui ont contribué derrière. Mais j'ai considéré que, franchement, hein, tu viens à Mondo Vision, tu fais comme si c'est le terrible homme sur terre. Et pourtant, tu connais ses qualités et ses défauts. Patricia Gemelle, tu es jalouse de Chibo. C'est la raison pour laquelle tu ne vas pas appeler à l'émission comme la grosse tête de Borosangi. Oui. Patricia Gemelle. Il y a des fois, elle dit que je supporte ta lolo. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis dans les ténèbres. Je ne suis ni ténébreuse ni lumière. Je suis électron neutre. Tu n'es pas électron neutre. Tu mens. Tu es une ténébreuse promax. Si elle dit un jour qu'elle est électron neutre, c'est parce qu'un Ndougoutiki, elle sait qu'elle a mangé un Ndougoutiki. Et elle savait que Ndougoutiki passait le temps à insulter Pipi avec Jim Tête. Assume ta relation. Tu négliges pourquoi? Assume ta relation. Oui. Toi, pour toi, je connais que tu es sorti. Mais pour Oshiga, je connais que Oshiga, elle cherche le buzz. Mais Oshiga, ce n'est pas une façon pour promouvoir ta musique, ma soeur. Tu as même tout gâté. Tu es allé dans les ténèbres. Tu as tout gâté en allant chez les ténébreux. Depuis que tu allais chez les ténébreux, dis-moi, est-ce que Pepa Zouzoua a posté peut-être pour dire voir la chanteuse, parce qu'une chanteuse ici de la diaspora, dis-moi si une chanteuse t'a posté Oshiga. Dis-moi si Chris M, par exemple, les jeunes du Cameroun là, si Chris M t'a posté pour dire oh, j'ai écouté l'émission, franchement, tu es allé dans les ténèbres. Tu es allé dans les ténèbres. Pourquoi tu es dans les ténèbres? Tu peux m'expliquer? Pipi achète les vues. Elle achète les vues. Tu vois que Pipi est ça? Elle a acheté les vues.
Et elle a déjà composé les gens qui vont appeler dans, pour venir intervenir dans le direct. Dans les ténèbres, il y a d'abord un groupe de 50 personnes. Il y a un groupe de 50 personnes, y compris la patronne, dans les ténèbres. Ce sont les ténébreux qui appelaient. D'autres ténébreux changeaient de voix. Dis-moi une vraie personne. Oshiga, montre-moi une vraie personnalité qui a appelé dans la, qui a appelé dans la télévision là pour dire que tu chantes bien. Montre-moi si Stanley Eno a appelé dans la télévision pour dire que Oshiga, tu es la meilleure chanteuse. Tu allais te fourrer dans les ténèbres. Et ce n'est pas comme ça. Tu fais le buzz. Tu veux faire le buzz. Tu es une chanteuse. Que wow, Amel Kamel, c'est le tout pour moi. Amel Kamel, pipi, pipi, tu as arrangé ton foyer. Est-ce que tu as déjà arrangé ton foyer, pipitologue? Est-ce que Pa Fondja est déjà arrivé à la maison? Non. Mais c'est toi qui fais comme si... Toi, même pipi là, tu as invité... Tu sais pourquoi tu as invité, Oshiga là? Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que tu es tellement combattu sur la toile. Que si tu, si tu refusais, Oshiga devait te laver ici là à Facebook. Oui. Tu as aussi fait ça par intérêt. Depuis les années, pourquoi tu n'as pas invité Oshiga? Depuis que tu fais les émissions là, est-ce que tu as dansé la musique de Oshiga? Même les petits challenges que Oshiga a lancés, Rêve Mbinda, c'est récemment cela que tu as commencé à danser la chanson d'Oshiga. Sinon, quand ces musiques sont sorties depuis l'éternité, est-ce que Rêve Mbinda, toi, apprenais à faire comme si de rien n'était? Ben on apprend exactement. C'est ça que quand l'émission est passée, je n'ai pas mis ma caméra. Hein? Je n'ai pas mis ma caméra pour décrypter l'émission. Hein? Jamais. Je n'ai pas mis ma caméra. Pour, parce que je sais que c'est une. Oshiga cherche la visibilité. Oui. Oshiga cherche la visibilité. Embrasse Amel Kamel, je vois. Faites de bouche à bouche. Si tu veux que moi, puisque je confirme la relation, je vais télécharger. Je vais même mettre ça ma photo de profil. Embrasse Amel Kamel. Et arrêtez quand vous voulez un peu vous faire chercher un peu de visibilité. Vous commencez à inventer les choses sur la mafo. Oshiga. Oshiga, montre-moi une preuve. Que tu as fait ta musique. Et puis tu as appelé mafo pour dire que PDG. Au secours PDG. Oshiga. Est-ce que tu peux me montrer une preuve que tu as appelé Flore? Mais il y a son numéro sur la table, non? Il y a le numéro de la MAFO, non? Tu n'as jamais appelé PDG. Mais tu veux que PDG reste... Attends. Tu connais les milliers de personnes qui appellent PDG par jour? Est-ce que tu connais les milliers de personnes? Quand tu te retrouves dans une chaîne de télévision pour raconter des balivènes, Oshiga, disons-nous les vérités vivantes. Disons que je te parle en tant qu'une petite sœur. En tant qu'une blogueuse, je donne mon avis. Parce que ce que tu as fait à la télévision, c'est une insubordination cartésienne. Tu n'as jamais appelé PDG pour dire que c'est chaud. Que PDG, voilà mon projet. Elle dit que quand vous avez le projet, il faut lui faire part. Mais tu es resté, tu joues ta musique. Tu joues ta musique et PDG t'a même donné un peu de visibilité au Oshiga. Oui, il faut le reconnaître. Je me rappelle. La période que tu clashais avec l'étoile caribienne, tu avais lancé un live. Tu clashais avec l'étoile caribienne et Natacha de Monaco. Oshiga, tu avais lancé un live. Ce jour, je pense qu'il y avait 68 personnes comme ici, comme je suis en train de voir. 68, 70 personnes. PDG est entré dans ton live, Oshiga. Quand PDG entre dans ton live, c'est pour te donner la force. Mais tu n'as pas pensé à ça? Quand tu dis que tu as voulu que les mamans la t'aident, Oshiga, tu te rappelles de ça? Que tu étais ancré dans une... Que PDG était entré avec son compte pour te donner, pour que les abeilles s'abonnent chez toi. La famille, voilà comment je découvre Oshiga. Cette période, j'étais au Cameroun. Il y avait un clash. L'étoile caribienne et Natacha de Monaco. Ça partait dans tous les sens. Un jour, Oshiga a lancé le live. PDG est entré dans son live. Ce jour, tu avais un cas pour ta première fois dans la vie, Oshiga. Tu avais un cas en ligne.
Tu n'as pas pensé à ça. Donc à toi, c'est que peut-être je venais écouter le Congo ça. Ma soeur, elle venait t'apporter un peu de soutien. Elle venait te soulever pour te mettre à la hauteur. Quand tu faisais le direct, il y avait 70 personnes. Le jour que PDG est entré, il y avait déjà il y avait 1000 cas. 1000 cas et poussière. C'était la force qu'elle te donnait. Elle aurait dû entrer dans le direct de l'Étoile Tribune ou dans le direct de la Tâche de Monaco. Mais c'était dans ton direct qu'elle est entrée. Elle n'en manquait pas quoi faire. Le Japon d'abord n'était même pas d'abord à son avantage. C'était Voco Japap. Mais comme elle voulait que tes followers gonflent un peu, elle est entrée sur ton mur. Oshiga. Ce jour, les abeilles, ceux qui sont là depuis, qui se rappellent de la vidéo, sortaient cette vidéo. Parce que quand on passe Salima à Fosivo dans les télévisions Brakata comme ça là, vous devez agir. Franchement, sortez les vidéos. Je ne sais pas s'il y a les vidéos dans YouTube. Sortez les vidéos où Oshiga a dit merci à Fleur de Lille ce jour. Je me rappelle très bien. Sortez les vidéos. Oshiga, il faut qu'on lave, on te fait un lavage de cerveau. Tu as dit merci. Wow, je suis ça. Oh. Tu as dit que wow, la Mafo est entrée. Et la période de la Mafo n'entrait pas dans les lives. Hein? Mafo n'entrait pas dans les lives des gens. Hein? Elle n'entrait pas. Ce jour, Oshiga, tu as dit merci, merci Mafo. Merci Mafo pour le soutien. Aujourd'hui, tu as eu un cas en ligne. Tu avais dit ça. Tu avais remercié tes followers. Tu avais remercié les abeilles. C'était à une façon. Quand Mafo, elle entre, c'est pour dire que je te soutiens. S'il y a les abeilles qui aiment Mafo, allez vous abonner sur le compte de, sur la page de Oshiga. Et c'est la période là que moi, je me suis abonné sur ton mur. Comme moi, je t'ai suivi Oshiga. Mais j'ai été très sidéré. Je vais vous dire quelque chose. Sur la toile signe, personne n'a sa place assurée. Sur la toile signe. Si je t'apprécie, le jour que je constate que tu m'as trahi, que tu allais insulter ma reine-mère, ou bien tu allais insulter compresseur, je te lave propre. Je te donne ça, je te fais ça sans vaseline. Comme on dit souvent. Oui, personne n'a sa place assurée ici. Si tu veux que mon ami... Tu fais les directs, tu veux que moi je te suis. Tu veux que moi, Priscaline, je t'encourage. N'insulte jamais la PDG. N'insulte jamais la PDG. Faut jamais les insulter, les mamans là. Faut pas les insulter. Moi-même, j'étais dans le live là. Cette fille est. Voilà étoile de mer. Voilà une ténace. Voilà une lumineuse. Voilà une ténace. Ce jour, la maf, on est parlé dans le live de l'étoile cribienne. Le temps qui vient lancer les lives à toi et à travers. Elle n'est pas entrée. Mais parce que Mafo avait de la considération, parce que Mafo voulait te soulever. Elle a vu comment chaque jour, Oshiga lançait les directs pour dire que, oh, non, on ne me soutient pas. Les mamans ne viennent pas dans mes lives. Mafo est entrée dans ton live. Tu es incapable de dire à l'émission de Pipitologue que PDG m'a déjà encouragé. Que une fois, Fleur de Lille a envoyé ses abeilles chez moi. Oshiga, tu dis carrément que Fleur ne t'a jamais soutenu. Hein? Voilà Ken Jones qui dit que tu aimes toujours clasher Fleur. Et pourtant, Fleur ne t'a rien fait. Dis-moi, si Fleur a mis la caméra pour te clasher, Oshiga, dis-moi, en dehors du jour que tu as dit, parce que j'ai entendu, tu as dit à l'émission qu'elle a dit que tes poils ont fait des choses, tes poils ont fait quoi. Hein? Que tes poils sont bizarres, tes poils sont montés, descendus. Oshiga. Que tes poils, tu as les poils, non, Oshiga? Tu n'as pas les poils. Oshiga, est-ce que tu n'as pas les poils? De nos jours, génération 2023, on peut encore tolérer que tu peux avoir les petits, petits poils. Mais tes poils sont effrayants. Ça nous effraie. Franchement, Oshiga. Et je croyais qu'à l'émission, tu allais me soulever. Pourquoi à l'émission, tu n'as pas soulevé pour montrer que voilà tes poils que tu as? Pour confirmer que Mafo a raison que tu as les poils. Une jeune fille comme toi, je refuse pas que tu peux garder tes poils. Mais c'est énorme. C'est tellement énorme. Ça effraie. Si tu même Dougouti qui l'a, si tu tournes avec Dougouti qui, les poils là vont l'effrayer. Franchement. Les poils là vont l'effrayer. Les poils, c'est-tu un homme pour garder les poils comme ça là?
Est-ce que tu n'as pas les poils au sugar? Où est l'injure dans soi? Tu n'as pas les poils. Tu n'as pas les poils aux aisselles. On te rappelle que tu dois raser tes poils. Tu te fâches. Tu dis que Flore t'a insulté. Que Flore ne t'a pas encouragé. Oshiga. Tu veux être une musicienne. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, comme tu as dit dans l'émission que ta musique c'est pour les Européennes. Que c'est pour les Européens que tu chantes. Toi-même tu sais que, c'est très difficile qu'une jeune fille des générations 2023 là, puisse danser ta musique. En dehors de l'écouter, quand on est à la maison, il y a du calme à la maison, on peut écouter ta musique, oui, pour un peu chasser le stress. Voilà, aussi comme ça. Les mamans là aussi qui n'aiment pas, les papas qui n'aiment pas. Et aussi les personnes comme... Bref, ta musique, elle n'est pas mal. Je vais te faire comprendre, ta musique n'est pas mal. Comme j'ai, tu as un morceau là que j'aime bien, c'est mon gars. Oui, j'aime ça parce qu'elle est quand même elle est dansante pour moi. Et je comprends. Les autres, tu parles en ton patois. Moi, je ne suis pas bafang pour comprendre le bafang. Mais voilà. Les clips sont hyper, hyper magnifiques. Franchement, pour le côté là, j'apprécie. J'apprécie. Lorsque tu tournes une vidéo, lorsque tu as besoin de soutien, le soutien des grandes blogueuses, Mafo n'est pas une mauvaise personne, Oshiga. Si tu laissais tes histoires de clash que... Écoute, il y a plusieurs pages là qui taguent Mafo nuit et jour. Il y a plusieurs pages qui taguent Compresseur nuit et jour. Ce n'est pas facile. Tu fais un direct. Est-ce Oshiga chante bien sans blague? Oui, la blabuti, on ne refuse pas. On ne refuse pas. Hé, les abeilles, la blabuti, elle est parmi nous, hein. Elle est parmi nous aujourd'hui. Elle a dit qu'elle n'est plus dans les ténèbres. Donc, on peut accorder les petites importances à la blabouti. Mais la blabouti, nous, tu sais que tu connais ton problème avec nous. Nous, on veut savoir pourquoi tu clashes parfois nos commafos. Je veux mettre le numéro, hein. Je veux mettre le numéro pour ceux qui vont vouloir, parler à WhatsApp. Je vais épingler le numéro. Pour ceux qui veulent demander l'invitation, vous pouvez le faire. Hein. Tu chantes. Tu. Bonsoir, Chloé, la douce. Tu chantes bien, mais il faut arrêter les clashs. Il faut arrêter. Et lorsque tu insultes la PDG, ta carrière est éteinte. Oui. Laisse-moi te dire. Parce que celle qui peut faire en sorte que les gens t'écoutent, c'est Flore de Lille. Laisse-moi te dire ça. Vous avez vu le gars qui a chanté. J'avais aimé mon ex, un amour sincère. Après m'avoir utilisé, elle m'a laissé tomber. Quand Flore de Lille a pris la musique là, les gens ont téléchargé. Les gens ont lancé les challenges pour soutenir l'artiste là. Quand Mafo a porté son cabas, elle a dansé la musique là. C'était du waouh. C'était du waouh. Les gens ne savaient pas qu'il y a un artiste qui a chanté le son comme ça là. Dès que Pitolo a pris le son là, dites-moi où le gars là est encore. Vous rappelez la musique là, non? Jones, son nom, c'est quoi là? J'ai oublié son nom. Jones, ou c'est quoi? Voilà. Pipi est venu mettre sa caméra. C'est mon frère Baganté. Oh, c'est mon frère Baganté. Lui et moi, on travaille le son depuis les années. Il est où maintenant? Il est où? Quand ma foi a dansé la musique là, les gens ont mis les challenges. Oui. Bonsoir, maman Prunelle, la chérie. Envoyez-moi les étoiles, les follow, les abeilles. Les abeilles, la tête cassée. Envoyez-moi les étoiles. Parce qu'elle n'a plus jamais reçu des étoiles. Moi, je me suis dit que vous étiez des foirés. Mais je constate que non. S'il vous plaît, envoyez-moi les étoiles. Vous êtes 113 personnes ici. Envoyez-moi les étoiles. On a 0 étoiles épinglées. Ce n'est pas normal quand même. C'est Priscaline. Mais tout le monde a mis les étoiles par rapport à un congé Moufekzou. Père un congé Marzou qui me propulse nos copages comment. Tchao, tchao. Père a mis les étoiles. On est 118. Envoyez-moi les étoiles. Et c'est. Pardon. Les followers. Envoyez-nous. Chargez les étoiles. S'il vous plaît. Chargez les étoiles. Oshiga. Oshiga, Oshiga. Dis-moi. Si tu as m'appeler Mafo, son numéro de passe-pas, appelle Compresseur. Compresseur va appeler sa copine. Compresseur, Pipitolo, je sais que comme elle m'avait dit que Compresseur, c'est la dernière sur terre. Que c'est, elle ne peut jamais. Que c'est la plus méchante de la terre là. Je suis sûr que Pipitologue est parti aussi te dire que Compresseur
ne va jamais t'encourager. Et pourtant, c'est faux. Et pourtant, c'est très faux. Quand vous entendez que compresseur, c'est la mère des orphelins, mon frère, vous ne réfléchissez pas. Quand vous entendez que c'est la mère des orphelins, perd tout, vous ne réfléchissez pas. Quelle aide tous ces enfants qui ont besoin d'aide? Hein? Tu penses que cotiser 50 euros dans ton litchi là? Tu parles l'émission, tu as besoin du litchi, mais tu insultes les abeilles. C'est normal ça? Et pourtant, tu sais que les meilleures cagnottes, c'est la cagnotte des abeilles. Tu as oublié ça? Est-ce que tu as oublié ça, Oshiga? Que la meilleure cagnotte, Oshiga, laisse-moi te dire que si tu appelais PDG pour dire que PDG, j'aimerais passer à ton émission. J'aimerais passer à Blessés de guerre pour vous raconter que Valso me demandait parfois les lasses quand je voulais aller tourner au Zénith. Mais Vassoro a dit que tu as un beau corps. Tu veux quoi? La veuve, on dit même que Vassoro, on dit que la veuve mettait même ta musique au Shiga. Moi-même, Priscaline, j'étais fait le challenge. La peur que moi, j'étais même fait le challenge, j'étais même encore dans les ténèbres. J'étais fait le challenge au Shiga. Tu t'es incapable de dire à l'émission qu'il y a. Donc, je n'ai pas dit que tu prononces le nom. Qu'il y a même les abeilles qui m'ont aidé. Il y a les blogueuses qui m'ont aidé. Même la Lyon, hein. Je pense que. Je ne sais pas si la Lyon a fait le challenge, mais je me souviens très bien que moi, je t'avais soutenu. Mais tu allais dire que Sodome et Gomorre, que nous, on ne t'a jamais soutenu. Qu'on n'a pas joué ta musique au Shiga. Tu as dit que nous, on ne t'encourage pas. Tu as dit ça. Et tu veux que moi, parce que je vais mettre ma caméra pour dire que soutien total à Oshiga. Hein? Tu parles d'émission Bragada, tu dis que personne de la diaspora. Tu cites les vieux pères. Que oui, t'étais personne. Tu es très hautaine. Laisse-moi te dire ça, Oshiga, si tu ne connais pas, tu es hautaine. Ou bien quand tu arrives à l'émission, ton cerveau était tellement bloqué que... Donc, tu avais un blocus, tu ne connais plus les personnes qui t'avaient aidé. Eh, Oshiga, hein? Tu ne connais plus. Même quand elle vient dans ton TikTok, parfois, c'est pour donner un coup de pouce, hein? Oui? Même quand elle vient dans ton TikTok, pour dire que non, on est ensemble. Même quand tu fais tes directs, là, je suis pas obligé d'entrer dans les directs de tout le monde pour aller donner mon point de vue, non. S'il y a les abeilles qui suivent ma page ici, ils vont savoir que Priscaline avait partagé souvent les publications de Oshiga. Et parfois, tu fais tes directs, Bracatala, je partage sur ma page aussi. Je partage. Oshiga, dis-moi un jour, montre-moi un jour que toi, tu as partagé mon direct sur ton mur. Dis-moi un jour, mais moi, j'ai partagé ta vidéo, ton direct sur mon mur. Tu as pris ma vidéo parce que j'ai dansé ton challenge, tu allais mettre sur ta page. Dis-moi un jour, quand vous levez, vous partez, dites que les gens ne m'encouragent pas, on ne me soutient pas. Toi, tu soutiens qui, Oshiga? C'est la même chose comme Nancy Kento. Nancy Kento ne partageait pas les directs de compresseur. Jamais. Mais vous voulez que nous, on vous partage. Vous êtes des stars. Et nous, on est les quoi? On est les quoi? Vous voulez qu'on vous partage? Oshiga, manque-moi un direct. Manque-moi que j'ai fait un direct un jour. Même ma PDG a posté. Elle a déjà posté un direct que moi j'ai fait. Même compresseur, quand tu dis que vous pensez, que vous dites qu'elle est méchante, elle a déjà posté mes directs. Elle m'a déjà donné un coup de pouce. Toi, Oshiga, tu m'as déjà donné quel coup de pouce? Tu m'as donné quel coup de pouce, Oshiga? Tu es très hautaine. Oui. J'ai fait quel direct ici? Disons que les followers. Disons qu'on est dans la diaspora. Priscaline insulte. Parce que je défends les deux dames là. Disons comme ça. Oshiga. Sur la page Priscaline officielle, Oshiga, je me rappelle un jour, si tu étais encore dans mon direct, Oshiga, tu avais demandé l'invitation. Est-ce que tu avais partagé mon direct? Tu avais demandé l'invitation, mais malheureusement, ce jour, le réseau dérangeait. Tu n'as jamais, jamais, en aucun cas, partagé mon direct. Même quand je crée des insubordinations cartésiennes dans la diaspora, sur la page Priscaline officielle, que ça n'a rien à y voir avec compresseur et mafo. Oshiga, montre-moi seulement un de mes directs que moi j'ai sensibilisé la jeunesse, que tu m'as donné un coup de pouce, que tu as partagé. Et ce sont des personnes que j'ai remarqué que vous atterrissez. Toutes ces personnes-là,
Moi, je vais vous, un jour, je vais mettre la caméra sur vous. Ce sont des personnes que vous apparaissez lorsque soit il y a un grand blogueur ou une grande blogueuse vient sur mon mur. Des personnes comme vous là. Oh, sugar, tu t'es ancré sur ma page parce que tu as vu Steve Fan. Tu t'es ancré parce que tu voulais causer avec Steve Fan. Il y a plusieurs directs que je fais ici où je sensibilise la jeunesse à ma manière. Tu n'as jamais partagé mon direct sur ton mur. Pour la diaspora, je peux tolérer que non, là, on peut dire que tu étais dans les ténèbres, que tu as tes joujoux, que rêve Mina de ta joujou, que si tu partages, je rêve Mina va se fâcher. Mais dans la diaspora, tu m'as déjà encouragé, toi, Oshiga. Tu m'as encouragé. Et tu veux que moi, puisque je mets ma caméra, je connais des personnes qui me soutiennent. Je connais des personnes qui ont donné la force à mon blog. Oui. En particulier, il y a Nicole Ketcha. Il y a Compressor, il y a Mafo. Ceux qui ont donné, ceux qui ont fait la renaissance sur le blog, si. Pour Steve Fassé, je mets ça de côté. Voilà les personnes qui m'ont soutenu sur la page Pouskaïne officielle. Sinon, ma page faisait, ça restait toujours comme si, hein, comme s'il n'y avait, comme si je n'étais pas une personne, une blogueuse. Toi, Oshiga, tu m'as soutenu. Mais vous voulez qu'à chaque fois que vous lancez vos directs, je viens partager. Je viens vous donner un coup de pouce. Hein? Que je viens vous partager. Mon frère, aide-toi, le ciel t'aidera. Je ne partage que les vidéos de ceux qui partagent ma part. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez d'être hautaine lorsque vous partez à l'émission. Vous comprenez un peu? Arrêtez d'être hautaine quand vous partez à dans les émissions. Les émissions Brakata. Mais Oshiga, va t'asseoir à Canada International. On te pose des questions comme ça. Là, je veux dire que tu es une vraie personne. Tu viens poster tes nichons. Mon frère, Ahmed Kamé aime les filles qui ont les gros lolos. Tu es là, tu viens. Comme on a, les gens ont dit que tu n'as pas les lolos, il faut que tu viennes montrer que tu as les nichons. Que tu as les nichons. Il manquait un peu ton caleçon, se voit. Tu as eu la chance que tu as bien croisé tes pieds. Tu as compris? Tu as eu la chance que tu as bien croisé tes pieds. Parce que moi, j'étais placé. Le jour-là, je n'ai pas dormi. J'attendais. Je faisais la capture du caleçon que je devais voir. Et puis, il devait venir poster ici. Tu as rompu Oshiga. D'accord? Flore et Compressor ne partagent pas mes directs. Tu coupes les vidéos de Compressor. Tu coupes les vidéos de Flore. Tu décryptes. Hein? Mais montre-moi un direct de Flore que tu as partagé sur ton mur. Même lorsque Flore fait les blessés de guerre. Hein? Donc, vous voulez que Mafo travaille gratuitement pour vous? Non, mais réfléchissez. Hein? Faites attention. Pas parce que vous êtes calme. Donc, vous pouvez faire vos bêtises. Non, on est calme là. Avec ces nichons, vraiment. Ces nichons. Tu veux nous montrer tes nichons à Mondo Vision. Ma chérie, on t'a dit que c'est les nichons qui retient l'homme. C'est Ndougouti qui veut partir. C'est les nichons qui empêchent que Ndougouti cause avec Patrice et Goné. C'est les nichons qui empêchent que Goné aille goûter les 53 cm de Ndougouti. C'est les nichons qui empêchent ça. Tu postes, tu penses que tu es la titulaire. Ahmed Kamé, où il est placé, il a au moins 50 femmes devant lui. Tu ne connais même pas. Il a au moins 50 femmes devant lui. Tu viens te placer. Wow, c'est mon gars, c'est mon gars. Embrassez-vous, assumez-vous normalement. Tiesco et Lolo Beauté, ils ont affiché leur relation. J'ai vu le bouche à bouche. Oui, oui. J'ai vu même les bisous partout sur les joues. Vous aussi, affichez-vous. Les bandes de lâches là. Envoyez-moi les étoiles, mes bébés. Envoyez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Je épingle le numéro. Ça, c'est un nouveau numéro que je vais épingler. Envoyez-moi les étoiles. Envoyez-moi les étoiles. Envoyez-moi les étoiles, la famille. Envoyez-moi les étoiles. J'épingle le numéro. Pour ceux qui ont besoin de donner leur point de vue. C'est les bandes de lâches, là. Hein? Tu as fait un direct quand pour dire que tu soutiens PDG. Pour que PDG partage ton direct. Pour qu'elle vienne danser dans ta musique. Tu as vu comment le musicien, là, son challenge est fini, non? Maintenant, quand je mets même la musique là, si vous m'avez comment par pitié, les gens m'ont dit que Pouskaïne, c'est quelle musique ça? Et pourtant, je peux encore dire que non, la musique que vous voyez, c'est la peine que j'avais dansé, la musique du Baganté, c'est là. Que laisser, c'est la musique, il faut qu'on encourage. Tu cours, tu pars chez Pupitologue, tu pars là-bas. Rêve Mina, c'est ta joujou. C'est ta joujou. Avec l'autre. La grosse tête de Jim. C'est qui? Lofombo. Toi là, tu es vraiment une fan de pipi, hein? Lofombo, tu cherches la Stamania jusqu'à.
On fait un star maya, te lira les potezas ou? À chaque, je sais pas. Le fombo, tu ne peux pas te cacher. Tu veux prouver quoi à pipi? Qu'est-ce que tu veux prouver à pipi, le fombo? C'est pipi qui te nourrit. Tu grattes les miettes, les 50 euros, les 30 euros à pipitologue. Hein, le fombo? Tu grattes les 50 euros à pipitologue, au pipi manioc, les Julien zombies. Je suis milliardaire. Tu grattes les miettes, le fombo. Hein, le fombo? Tu grattes les miettes. Tu oses dire que, wow, tu inventes quoi? Les followers. Ils disent que la mère de Nicole, que Nicole Kitcher a encore clashé sa mère. C'est faux. C'est un montage. Vous savez que Nicole Kitcher lave le fombo depuis, non? Donc, il faut qu'elle sorte. Elle retire les balles. Ce n'est jamais la mère de Nicole Kitcher. Vous comprenez un peu? Ce n'est jamais la mère de Nicole Kitcher. Le fombo, tu es une grosse mytho. Grosse menteuse. Ce n'est jamais la mère de Nicole Kitcher, le fombo. Tu penses que tu veux... Attends. Tu penses que tu veux bluffer qui? Toi, le fombo, tu as quelle balle? Nicole Kitcher a tes balles. Toi, tu as quelle balle? Tu as quelle balle sur Nicole Kitcher? Nicole t'a touché ou ça te fait mal? Oui. Nicole t'a touché ou ça te fait mal? Tu n'as pas honte? Tandis que les gens sont en train de chercher des tics à Facebook. Toi, tu parles que tu n'as le pipitologue. Tu parles laver les pieds. Il n'y a plus que tu organises une soirée. Le fombo, montre-nous que tu es une femme capable de défi élémentaire que je te donne. Que moi, Pascal, je te donne. Le fombo, le défi. Tu dis que tu es aux États-Unis, non? Que tu as les capacités, non? Invite pipitologue dans ta soirée. Invite pipitologue dans ta soirée. Wow! Il faut voir une mesquine comme ça. Non, mais attendez, les followers. Vous croyez qu'une maman peut clasher son enfant? Vous croyez que la mère de Nicole n'a rien à faire? La mère de Nicole a bloqué le fombo depuis. Elle a bloqué. Elle m'a dit que si elle voit le fombo au village, elle va taper, elle va casser ses pieds. Oui. Elle a dit que si elle voit le fombo, elle va casser ses pieds au village. Tu as peur de Nicole que tu as? Mais tu as sorti son mari. Elle t'a encore éteint. Elle a sorti ta part de mari. Le fombo, tu veux inventer quoi? Jusqu'à celle-là, Patricia@arobase.com, la mangeuse de 53 cm par hypocrisie, avec sur la tête mon père, c'est Zemote. Est-ce que Zemote est au courant que Patricia Gemel a mangé les 53 cm de Ndougou Tiki? Hein? Est-ce que le fombo, est-ce que Zemote, tu es au courant? Le couple complet. Est-ce que vous êtes au courant que Patricia est sortie avec Amer Kamer? Est-ce que vous êtes au courant que même à présent, elle fait les avances? Elle est en train de tirer les oreilles d'Amer Kamer que, ouais, ne t'affiche plus trop avec Oshiga. Est-ce que Zizemot est au courant de ça? Non. Vous connaissez même que la caméra parce que vous voulez gratter les petits 1000 euros de vos patrons. Vous voulez merde, Amer Kamer, donne-moi l'occasion, je vais afficher la... Ou bien, hein? J'attends le jour que vous allez vous clasher. Je sors les preuves là comme ça que tu es en train d'harceler à mes camés. Oui, je sors les preuves là comme ça. Parce que pour le moment, à mes camés, vous êtes encore un peu en bon terme. Vous êtes en bon terme parce que et tu es en train de ramener à mes camés dans... Mais ce que vous ne savez pas, c'est que malgré que vous allez amener à mes camés dans les ténébreux, chez les ténèbres là-bas, malgré que vous allez le faire, il ne va jamais en aucun cas mettre sa caméra pour insulter Flore. Rien que c'est sa personne à vie. Quand vous voyez chacun à sa personne dans les réseaux sociaux là, non. Rien que sa personne à vie, quel qu'en soit ce que vous allez faire. Même si Oshiga, tu fais quoi? Même si que tu soulèves tes aisselles, tu fais à mec quand même manger tes aisselles là, tes poils là. Tu as compris, non? Il ne va jamais mettre sa caméra pour manquer le respect à Flore de Lille. Tu as compris, Oshiga? Il faut que tu comprennes ça bien. Tu mets ça dans ton crâne, dans vos sales buzz que vous organisez là, pour manquer le respect aux gens. Ça nous touche même pas. Tu as rompu, non? Petit mini, ça nous touche même pas. Je ne voulais même pas parler de l'affaire. Je voulais même faire vu et ignorer que tu es parti à l'émission ou pas. Je ne voulais pas mettre ma caméra pour parler de ça. Je voulais faire vu et ignorer, Oshiga. Tu as rompu, non? Mais c'est parce que j'ai vu que tu as trop. Tu es tellement. Hey! Quand je m'en dis que si tu apprends que... Mais mon but, ce n'est pas de gâter ta relation avec Ndougou Tiki, hein? Tu peux sortir avec un mec comme tu veux.
Mais il faut que tu saches que tu n'es pas la seule. Il faut que tu saches que Patricia Gemelle, elle est aussi derrière. Oui, oui. Il faut que tu saches ça. Il faut que tu saches que vous discutez de 1,53 cm. Parce qu'il n'y a pas 2,53 cm qui existent. C'est un seul. Oui, oui. C'est 1,53 cm. Permettez-moi de mettre le numéro pour ceux qui veulent intervenir. Il y a ceux qui veulent demander des invitations. Ils veulent demander des invitations. Il n'y a pas de souci. Hein? Ils veulent demander des invitations. Dans le fond, arrête de dire que la mère de Nicole que tu as appelée, elle t'a bloqué. Elle a dit qu'elle va te voir au village, elle va casser tes pieds. Ou même si tu descends au Cameroun, elle va venir chez toi là-bas. Elle va venir chez toi là-bas pour régler les, pour faire les règlements de compte. Une vieille femme comme toi. Tu n'as pas honte. Tu n'as plus de balles. C'est une maman que tu veux mettre à, que tu veux vouloir mettre à mon vision. La mère Nicole que tu n'as pas, elle n'a pas Facebook. Elle n'a pas Facebook. Tu as rompu le fumbo. Elle t'a bloqué. Tu n'as plus son numéro. Nicole a changé le numéro de sa mère. Tu as compris? Oh. Nicole, que tu as clash ça. Maintenant, là, celle-là, la blabutine, tu es encore là? Est-ce que la blabutine, tu es encore là? Demain, tu vas nous dire pourquoi. Il faut, pourquoi les abeilles partagent ton mur? Tu dois nous expliquer qu'est-ce qui te pousse à quitter des ténèbres. La blabutine. Tu dois nous expliquer pourquoi tu es en train de quitter dans les ténèbres. Donc, René a sorti. Ouais! Tu n'es pas au courant, maman. Yeah, Nicole Ketchao. Yeah, Nicole Ketchao. Faut voir comment que j'ai sorti ça. Vous savez que moi, je suis quelqu'un que le jour que ma tête, le jour que je suis un peu contente, là, ou même quelque chose m'énerve, je tombe, je dis une fois la vérité, une fois, je quitte tout ça. Quand elle dit comme ça, là, elle est venue flatter. Aujourd'hui, elle dit que, on dit que toi aussi, tu manges mon 53 cm. Elle est venue pleurer que, yeah, wow, wow. Qui fait? Grenet. Qui cherche la stamania? Qui cherche la stamania? Toi-même, tu cherches pas la visibilité. Gros, tu ne cherches pas la monétisation. Hein? Tu ne cherches pas la monétisation. Quand tu télécharges, Nicole, que tu me mets sur ton mur. Et tu veux que nous, les abeilles, on ferme la bouche? Depuis que le manioc lui donne les miettes, le fombo veut se déshabiller. La dépression. Il dit que hein, la dépression de ça, le fombo. Grenet, assume ta relation avec Amé. Tu as peur que le couple des émotes. Ils vont te chasser. Ils vont te liquider. Ils vont te jeter loin. Black Pussy n'était pas invité au deuil des ténébreux. La blague dit non, la blague dit elle a fui les ténèbres. Attends, je mets le numéro. Je peins le numéro. Ça, c'est un nouveau numéro parce qu'après ça. Ceux qui vont m'appeler après, je vais m'en bloquer parce que ça, c'est le numéro. Ça, c'est le numéro du père. Attendez, ça, c'est le numéro que le père m'appelle souvent. Ah, il y a une abeille qui a dit que parce qu'elle ne dit plus le père, que tu es une jeune fille. Ça, c'est le numéro que mon chéri m'appelle avec. Donc, je veux mettre, parce que je suis en réflexe direct avec le numéro que vous avez d'habitude. Nicole, que tu as monte. Hey! Tu ne connais pas le son corps? Hey! Nicole, pas monte. Merde! Les vieilles chouettes là. Oui, la blague est libre. Elle est maintenant libre. C'est le couple Yakuba. Le couple. Et tu dis le couple Yakuba, hein? Blabuti, on veut bien t'accompagner, mais tu sais ce qui te reste à faire, ma poulette. Exactement. Oui, la blabuti. Nous, on veut bien t'accompagner, mais tu sais. Voilà ça que ils ont organisé. Vous avez vu, Pipito, l'émission a commencé tard parce que la blabuti. Elle a dit qu'elle ne veut plus être chauffeur. Elle a abandonné. Donc, Pipi, il a fallu que... Oshiga, elle n'a pas la voiture, non? Apparemment, Pipi a marché à pied pour aller à l'émission, hein? Elle a marché à pied parce que la Babouti a décidé qu'elle ne veut plus être chauffeur de pipitologue. Elle a décidé. On dit qu'on a rien signalé. Yeah, pardon, mettez les cœurs. Envoyez les étoiles. Yeah! Florence Meni. Oura! Assise! Florence Meunier, où? Chic élégante, où est? Ouais, ma chic. Ma chic ne peut plus être direct. Hein? Bipé. Je mets le numéro. Il y a une abeille qui m'a écrit, qui m'a fait signe l'autre jour, elle voulait intervenir. Je mets le numéro. Par qui ça, je mets? Tu vas dire au couple de Zemmour que tu as mangé les 53 cm dans mes camères. Et que
dès que tu as fini de manger, tu as encore pris ses poulaillers, tu allais faire ta part avec. Aujourd'hui, Amel Kamen, il n'a plus les poulaillers. C'est à cause de Patricia Gemel. C'est elle qui gère les poulaillers de Amel Kamen. C'est elle. Et vous savez, quand un homme est en couple avec une fille, il ne peut pas prendre l'argent parce qu'il va dire que ah, ça, c'est des miettes. Il a laissé l'engard avec. Tu manges l'argent d'Amel Kamen et tu es incapable et tu crompes encore Oshiga. Tu es incapable. Et tu veux pas que l'on parle? Hein? Ça m'énerve quand elle vient parfois. Tu inventes des histoires. Hein? Patricia Gemel, moi je te balle. Je dis que je te mets au défi. Tu veux mon corps, à mon dos, visant que Priscaline cherche la. Je vais la visiter sur toi. Je cherche la visiter sur toi, Patricia Gemel. Tu as la chance que je ne cherche plus moi les histoires de buzz là. Tu as eu la chance. Parce que moi, là, si elle veut faire le buzz là, j'attends ce moment-là, papa Fanien te vient aussi. Il est qui vient ici. Lui et moi, on fait le buzz. Et si elle veut faire le buzz, n'est pas dans la diaspora. Il sera connu dans la diaspora. Oui. Quand les mamans là acceptent déjà là, à la diaspora, tout le monde te connaît. Partout où tu passes, Priscaline. Partout où tu passes, Priscaline. Oui, oui. Même au Cameroun là-bas. Oui. Mais pour Priscaline, je ne vois pas l'endroit où on. Yeah, Nicole, que tu ne vois pas l'endroit. Yeah, gros nez a bloqué mon direct. Oh, gros nez a bloqué mon direct. Oh. Pourquoi nous on parle, vous profitez que nous on parle. Ouais, Nicole, que tu ne vois pas l'endroit. Attendez. Non, mais que le numéro, ne vous inquiétez pas. C'est la lumière. Patricia Gronet, laisse mon direct tranquille. Laisse mon direct. Le Fombo, sortez dans mon direct, le Fombo. Dégagez. J'ai pas besoin de vous. Dégagez. Allez assumer vos corrélations. Maman Rose, belle folie. Priscaline n'a pas les étoiles. Ils ont bloqué mon direct ou quoi? J'ai besoin des étoiles. Bipé, notre nouvelle milliardaire, Edith. Bipé, Edith. Priscaline n'a besoin des étoiles. Ils ont bloqué les étoiles. Hey, Priscaline. Où sont les étoiles? Ils ont bloqué le direct. Parce que nous, on dit la vérité. Oui, Priscaline ne ment jamais. Priscaline dit la vérité. Amel Kamen. Pour finir, Amel Kamen, tu vas choisir qui? Entre Oshiga ou bien Groné. Tu vas choisir qui? J'ai même appris que tu sors aussi avec la milliardaire. Pour la milliardaire, je n'ai pas la certitude. Bizarrement, dans les ténèbres, ils ont tous les gonés. Soutiens-moi pour comprendre ça. Soutiens-moi pour comprendre ça. Tu as fini avec. Allez, je mets le numéro. Partagez, je mets le numéro. Partagez. Je vois 102 personnes ici. Donc, je ne sais pas si c'est que le monde. Si le nombre est augmenté. Vous savez que Facebook dérange. Ils ont signé. Vous signez ma vidéo. Pourquoi? La Bla Beauty. La Bla Beauty. Commente vite ici. Commente la Bla Beauty. Commente ici. Tu vas nous expliquer. Je vais mettre le numéro. Ceux qui veulent appeler, appellent la WhatsApp. Bon, ceux qui ont la ligne directe, vous savez que les lumineux n'aiment pas trop appeler. Pipitologue, les lumineux n'aiment pas trop appeler dans le WhatsApp. Ils aiment la ligne directe. Cameroun, France, Allemagne, Paris. Les lumineux ont de l'argent. Ils ont du crédit. Marcel Barrette, hé, notre blanche. Notre soeur Eleni Blanche. Ils ont bloqué mon direct. Ils signalent. Ils sont en train de signaler mon direct, les followers. Vous vous rendez compte? Ils sont en train de signaler mon direct. Ils m'empêchent de parler. Samedi, je vais mettre la caméra. Oui, Balata, voilà Balata. Balata, est-ce que tu es au courant que Dougouti qui a tout ma la gmail.com? Est-ce que tu es au courant? Si, soyons vrais dans la vie, hein, si Dougouti qui veut faire la relation avec Oshiga, l'autre doit être dévoilé. Oui. Ça doit être dévoilé. Oui, oui. Bon, attends. Attendez, je mets le numéro. Attendez, je mets le numéro parce que je ne vois pas. Ils ont signalé, je ne vois pas les invités. Je ne vois pas les demandes d'invités. Je veux mettre le numéro. Ne vous inquiétez pas. Notre Nicole Ketchaela, notre 11 de Facebook. Le Fombo est en train de chercher la place du 11 de Facebook fatigué. Elle ne trouve pas. Hein? Est-ce que c'est de notre faute que tu n'es pas le 11 de Facebook? Hein, le Fombo? Est-ce que c'est de notre faute que tu n'es pas le 11 de Facebook? Le Fombo. Attends, je mets le numéro. Vous savez, c'est un nouveau numéro. Donc, je cherche moi personnel. C'est mon numéro personnel ici. Hein. Là, c'est mon numéro personnel que je vais épingler. Voilà. C'est tellement long.
Pipi ne signale plus, dit donc. Il dit que une petite fille comme moi, comme ça, là, vous dites que Pouscaline, vous dites que Pouscaline n'est rien. Mais je fais encore mon minable direct. Vous venez encore signaler. On peut faire les choses comme ça. Vous-même. Vous dites que je n'ai rien. Mais je fais encore pipi et au restaurant à Paris. Attendez. Où sont la partie des commentaires là? Voilà. On épingle le numéro. Il veut épingler le numéro. Nicole, je vais donner un autre numéro. Hein. C'est pas le numéro que tu connais. Là, c'est un autre numéro parce que je suis en direct avec l'autre téléphone. C'est plus 49. Plus 49. Plus 40. Partagez. Plus 49, 15, 21. Là, c'est un mot privé. Hein. Voilà. Ça, c'est un mot que je ne voulais pas mettre à Facebook. Mais c'est obligé de modifier un autre jour. Voilà, je pense que c'est ça ici. Voilà le numéro. Oui, oui. Voilà le numéro. La blabu, tu n'as pas été invité à l'anniversaire. Eh, la blabu, tu. Anne Wama. Bonjour, des gars t'invitent à regarder. Ouais, des gars, laisse-moi d'abord. Des gars, laisse-moi. Je ne suis pas à TikTok pour le moment. Laissons d'abord. On a Facebook. Moi, j'ai mon couloir de Facebook d'abord. Donc, je vais voir mon ami, des gars, plus tard. Hein? Pipi. Voilà le numéro que j'ai épinglé. Pour ceux qui veulent appeler, soit WhatsApp, soit direct. Nous, on prend tout. Mais de où sont les ténébreux pour souhaiter appeler à Lolo Pipi? Maman, où sont les ténébreux? Il fait chaud. Allez, je retire mon pull. Où sont les ténébreux pour souhaiter joyeux anniversaire à Pipitologue? Donc c'est l'anniversaire à Pipi ici là. Donc c'est l'anniversaire à Pipitologue. Adama. Le morguier à quel niveau? Le morguier. Tu as réservé quel cadeau à Pipitologue? J'espère qu'au moins ça c'est le jour que Pipi va manger ton argent parce que tu es trop chiche le morguier. Tu es trop chiche. J'espère que ça, c'est la période que Pipi va manger ton argent. J'ai épinglé le numéro, vous voyez le numéro, non? Ça, c'est la période où Pipi doit manger ton argent. Banga de Koumo, Mogi. La blague, si tu vraiment t'as jeté, elle a fait le jour que tu as fait ton direct pour dire que tu as besoin des abeilles sous ton mur. Pipi allait faire le direct de la blague. Elle allait faire le direct pour dire que si elle veut partir, elle part, non? Et qui est-ce qu'on force quelqu'un ici? Hein? La vie c'est une place. Oh et tout. Est-ce que j'ai vu ma télévision? Elle a son blog là-bas. La petite, tu es au courant que est-ce que tu es au courant? Elle a eu peur de te retomber plus tard. Ou bien elle a eu peur que nous on va télécharger, on va venir faire le décryptage parce qu'elle connaît que maintenant là, dans Facebook. Facebook si là, le décryptage est rapide. Et elle a une personne à Facebook si que mince, quand il décrypte, j'ai le goût jusqu'à. Bertrand Chissomon. Quand Bertrand Chissomon décide de mettre le décryptage, papa, ah, tu peux pleurer. Et la façon dont il décrypte ça, il met l'appui sur ça. Il revient dessus. Il est tellement concentré. Pipi, tu as supprimé parce que tu as vu que Bertrand Chissomon va télécharger. Que même nous là. Parce que moi, parfois, quand je n'ai même pas d'inspiration, et quand il n'y a rien à dire à quelqu'un, je prends aussi le direct et décrypte. Oui, oui. Que je prends le direct et décrypte. La même outil, en tout cas, tu as très bien fait de faire un nouveau chemin. On me dit que je ne savais pas que tu étais pasteur avant. On dit que tu faisais les vidéos de prière. Moi, je ne savais pas. Moi, je t'ai connu dans les ténébreux quand tu as fait ton émission. Et c'est bien vrai que, je vais vous mentir, les followers, pour ceux qui disent que Pouscaline, pourquoi tu défends beaucoup la blague outil? Je vais vous dire quelque chose. Si vous m'envoyez défendre la blague outil, parce que quand je suis dans les ténèbres, quand la petite faisait ses directs, et des fois j'écrivais à la petite que franchement, il faut que tu fasses aussi, tu dois faire des vidéos aussi, tu clashes. Parce que si tu ne clashes pas, la patronne ne va pas partager tes vidéos. Même Toby disait tout ça, qu'il faut clasher aussi la petite. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle entrait dans les directs, elle faisait ce petit chronicles là, elle parlait un peu comme Véronique Ambrakata. Oui, oui. Sinon, la blabute a été manipulée. Je ne vais pas vous mentir. Et je fais partie des personnes qui ont manipulé la blabute. Et parce que Pipitologue disait qu'on doit soutenir, on doit clasher aussi. Sur les pipimanioc vont arriver là-bas, on doit clasher. Donc, la blabute était dans l'obligation de vouloir aussi clasher.
elle n'a jamais fait un direct entier ou peut-être elle peut dire qu'elle insulte les lumineux. Si elle lance son direct, elle a encore insulté, soit quelqu'un va demander l'invitation pour continuer l'affaire. Sinon, le but de la blabouti, c'est de ne pas, son but, c'est de ne pas devenir clashée. Elle a été manipulée. Priska, on ne peut pas venir en vidéo sur ton live, pourquoi? Ouais, j'aime le numéro Marcel Barrett. Appelez sur le numéro, non? Voilà le numéro que j'ai épinglé. Parce qu'ils ont signalé Grone et le Fombo et Nassi Kento. Elles ont signalé mon direct. Et pourtant, les patrons, elles sont en train de fêter l'anniversaire. Mais elles se permettent de venir à mon direct. Hein? Priscaline, c'est pas tout le monde qu'on va accepter dans la lumière. Il faut aussi le savoir. Oui, oui. C'est pas l'obligation. C'est juste pour si je donne juste mon avis en fait. Et il y a aussi certaines personnes qui sont de même avis avec moi. Il y a maman Flore Malgam, je pense qu'elle est aussi de même avis. Elle, je pense qu'elle avait dit qu'on donne une seconde chance, oui. Donc, ce n'est pas pour dire que les lumineux doivent accepter automatiquement, non. Pour, si elle veut que les lumineux acceptent, elle connaît ce qu'elle a fait. On ne fait pas le bras de fer avec la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont signalé, pour ça que vous pouvez pas demander. Pour ça que j'ai mis le numéro. Ceux qui veulent appeler, appelez directement. On va vous écouter dans le téléphone. Donc, c'est un peu ça. Vous ne donnez pas, vous pouvez appeler, vous ne donnez pas votre nom. Hein. Tu ne donnes pas ton nom. C'est ce que tu ne veux pas qu'on connaisse que c'est toi. C'est un peu ça. Soyez réaliste. Soyez vrai. Il y a trop le faux dans les ténèbres là. Vous n'avez pas honte. Quand Dougouti, qui quand même mettait sa caméra nuit et jour pour insulter. Pour insulter la reine des ténèbres comme ça là. Pendant ce temps, Patricia Gemel, elle mangeait son 53 cm. Pendant ce temps, Patricia Gemel, tu travaillais pour Amé Kamé. Mais tu as laissé que Pipi. Pourquoi tu n'aimes pas Pipi? Si Pipi ferme, elle dit que si elle décide qu'elle ferme la télévision là comme ça là, tu vas dire Dieu merci. Tu fais partie des personnes qui ne veulent pas son bien. Les seules personnes que je peux dire que non. Elles peuvent donc que s'il y a entente, si un jour il arrive qu'il y a entente dans les réseaux sociaux, il n'y a que Mafo et ma pépé qui sont les vraies personnes. Puisqu'elle dit, occupe-toi de ton blog, tu n'as pas besoin de ramener Bla Poussi. La Bla Poussi a été manipulée. Vous voyez, je ne vois plus les étoiles. Peut-être que les gens m'envoient même les étoiles, je ne vois même pas. On m'envoie les étoiles, je ne vois pas. On m'envoie les étoiles, je ne vois pas parce qu'ils ont signalé ma vidéo. Vous dites que parce que je voilà la blague, tu vois le numéro que j'ai épinglé. Appelle, tu témoignes. Voilà le numéro que j'ai épinglé. Oui, oui. Sinon, elle a été manipulée. Franchement. Mais les abeilles ont dit que tu connais ce que tu as fait. On n'a pas dit que tu peux clasher Pipitologue parce qu'on sait que Jim Ted. On sait que d'une tête va te ramasser. Hein, la blabouti. Je vois comment la veuve joyeuse, elle parle de toi avec autant de classe, autant de prestance, autant d'amour. Oui, comment tu as laissé la veuve joyeuse? Il y a une période que la veuve avait vraiment besoin de toi, la blabouti. Tu as laissé la veuve joyeuse pour aller chez Pipitologue. Pour aller carrément. Je sais qu'aujourd'hui, quand tu fais mon direct là, tu es contente, tu es heureuse. Tu es claire dans ta peau. Oui, tu es heureuse. Tu faisais quoi dans les ténèbres? Et pourtant, on dit que tu étais une pasto. Hein? Ne retourne plus jamais dans la ténébrie. Franchement. Tu vois, on te prenait, on dit que tu étais le chauffeur de Pipi. Comment une grande dame comme toi, avec tes vraies dames comme les mamans Corinne qui... Je les vois souvent dans ton direct avec les mamans Madil, les mamans comme ça qui soutiennent ton blog, la blabuti. Tu faisais quoi dans les ténèbres? Et c'est toi qui amène les mamans là à clasher, à vouloir être dans les ténèbres. Sinon, les mamans là sont sympathisantes. Hein? Oui, oui. Tu as tout fait, tu as amené maman Corinne. Et je suis comme, vous l'avez amené dans le groupe des ténèbres, le groupe de la réunion des 50 personnes des ténèbres. Je suis. Et pourtant, elle était fan de toi. Tout simplement. Tu as tout fait pour ramener la maman Madil. Je suis que son numéro, parce que si le numéro de maman Léo Changom, c'est là dans le groupe des ténébreux. Si c'est là, elle fait le Congo ça avec si une femme fait les Congo ça avec les Pacon, comment est-ce qu'on va respecter la Pacon? Je suis sûr de moi que même maman Léo, maman Mathilde est dans le groupe de 50 personnes avec maman Madil.
Et pourtant, c'était des femmes. Tu as fait les mamans là, ont sali leur image comme ça, la blabouti. Franchement. Et pourtant, ces femmes ne t'aient pas dans la ténébrie. Tu as fait, tu les as ramenées chez le morguier. Elles sont allées intervenir chez le morguier. Tu les as ramenées. Et pour, franchement. Une fois, maman Léo Changom, là, elle m'avait dit qu'elle n'est pas dans les ténèbres. Elle n'est pas dans les ténèbres. Elle est seulement là pour soutenir certaines personnes dans les ténèbres. Sinon, elle est sympathisante. Mais tu as fait tous ces mamans-là, généreuses-là, sont parties dans les ténèbres. Hein? Sont parties dans les ténèbres. Et maintenant, elle parle à la théorie chez le pupitologue. Tu as fait, elle ne parle pas chez... Elle n'a jamais mis le pied chez Mafo. Oui, maman Mathilde et maman Léo, maman qui là? Madame, ton follower des États-Unis là. Je n'ai jamais vu. Elle envoie les étoiles à maman Mafo. Parce que tu as manqué que tu es le chauffeur de pupitologue. Tu as manqué que pupitologue est ton dieu. Elle n'a jamais partagé le direct de Mafo sur son mur. Ou bien, même quand Mafo fait ses blessés de guerre pour encourager la PDG ou pour encourager le compresseur. Tout ça, c'est à cause de toi, la blague poutine. Puscaline, tu work vraiment. Hein? Je work comment? Oh, franchement, ils ont bloqué. On m'envoie les étoiles, je ne vois plus les étoiles. Vous rendez compte? Je ne suis plus en train de voir les étoiles. Je ne suis plus en train de voir les étoiles. Oh, la page ici, il faut qu'on ferme ça. Franchement, j'étais sur la page de Puscaline officielle, c'est que vous avez envoyé les étoiles. Merde. Hein? Tu vois, ce sont des femmes. Les femmes qui viennent chez la blabuti là. Ce sont les femmes qui n'ont jamais pensé être dans les ténèbres un jour. Mais comme elles étaient tellement fans de la blabuti, elles ont vu la blabuti partir chez le morguier. Elle aussi, elle court pas chez le morguier. Elle part chez le pupitologue. Voilà ça que le pupitologue n'a jamais valorisé votre star. J'ai dit Corinne. Tu vas me dire que, parce que tu mens, je ne suis pas dans les ténèbres. Tu m'as envoyé les étoiles ici là un jour, Corinne. Tu es venu un jour dire que, parce que tu as bien fait le direct ici. Tu as venu commenter. Hein? Mais je te vois commenter là-bas chez les ténèbres. Avec ta copine. Avec Léo Changom. Non, Léo Changom au moins. Elle, quand elle entend qu'on est en train de clasher pupitologue, elle vient aussi écouter. Respecte, vous êtes des femmes qu'on vous respecte. Voilà, vous êtes des vraies dames de la société. Depuis que vous êtes pupitologue, elle vous enseigne quoi? Vous-même. Elle a fait quelle évolution à votre star qui est la blabouti? Elle prend votre star comme une chinda. Et pourtant, la blabouti, c'est une grande femme. Hein? C'est même pupitologue qui doit être chinda de la blabouti. Parce que la blabouti, d'abord, elle a d'abord l'intelligence. Oui, tu vous faites. Pupitologue n'a jamais carburé la voiture de la blabouti. Hein? Chaque fois, chaque dimanche, il faut que la blabouti mette le carburant. Et vous connaissez en Europe combien le carburant coûte? Elle met le carburant. Elle envoie donc, elle explique encore les propos que celle-là va tenir dans son direct, que Pupi va tenir à l'émission. Puis Karine Chouma, il faut t'apprécier, mais s'il te plaît, ne nous impose pas tes choses. Non, je n'impose rien. Je suis en train de faire mon direct, c'est tout. À celui d'entendre ou bien celui de faire comme il veut. Je ne suis pas responsable de ce que vous allez gérer après. Je ne serai pas responsable si vous partez dans les ténèbres plus tard, ou bien vous ne partez pas dans les ténèbres. Écoutez seulement ce que j'ai à dire. Je ne vous impose pas les choix ici. Là. Ceux qui veulent écouter la blague dans ces émissions, vous partez. Ceux qui ne veulent pas, Ngang. Moi, la blague, tu fais son direct. Si c'est que ça me plaît, je partage. Ceux qui veulent voir, voient. Ceux qui ne veulent pas voir, je m'en fous. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Elle ne veut plus être chauffeur de pupitologue. Mais la blague, il faut aussi penser à moi. Parce que tu vois, la maman Marisa, comme ça, là. Il faut penser à moi. Ce sont des femmes que. Un petit mot, là, elle change d'avis sur toi. Mais c'est que tu viens encore. Tu veux le droit de faire avec eux. C'est qu'elles vont seulement. D'ailleurs, mais les ténébreux t'ont toujours fait croire que les abeilles signalent tes lives. Les abeilles n'ont jamais signalé tes lives. La blabouti, laisse-moi te dire quelque chose. Les abeilles n'ont jamais signalé tes lives. Les personnes qui signalent tes lives sont les pupitologues eux-mêmes. Oui, oui. Ils opèrent dans le noir pour que tu n'évolues pas. À chaque fois, réfléchis. La blabouti, à chaque fois où tu lançais le direct,
cryptologue lance sa part, ou bien Borosang lance sa part, et pourtant c'est ta cousine. Une cousine peut faire ça à sa soeur? Jamais. Si ma soeur était Mafou. C'est que dès que je lance le live comme ça là, j'appelle Mafou pour dire que Mafou, ne lance pas ton live. Ou bien dire que ouais, Mafou, je vais lancer mon live. Maman vient me soutenir. C'est qu'à chaque fois, Mafou devait être dans ton live. Oui. C'est qu'à chaque fois, tu as tout donné à Pipitologue. Tu as tout donné, elle ne t'a jamais payé. Mais quand vous êtes parti à Paris là, c'est toi la blaboutine. Tu as encore sorti de ton argent dans la poche. Et pourtant, Borosangi, comme elle était au Canada, elle peut encore dire qu'elle peut me donner. Mais toi, tu as encore mis. Vous avez payé 50-50, vous tous. Tu as gagné quoi dans les ténèbres? Dis-moi toi-même, tu as gagné quoi? Et pourtant, regardez les petites filles là au Cameroun. Elles font leur direct sans les histoires de clash à deux balles. Oui, elles t'ont crompé. Elle, ces femmes-là, Pipitologue t'a crompé. Aujourd'hui, elle préfère. Donc, elle avait l'occasion de te protéger la blaboutine. Elle avait l'occasion de te propulser. Elle connaît ce qu'elle a fait pour te mettre au sommet. Bon, à son niveau, hein, sommet à son niveau, parce qu'elle ne peut pas te mettre au-delà. Tu as vu la preuve. Comment elle a créé une page pour donner à l'Ofombo. Pour que l'Ofombo insulte les gens. Et elle est à l'intérieur. Donc à chaque fois. Donc quand l'Ofombo est en direct comme ça, elle vient faire un commentaire. Ça montre d'abord. Donc quand elle fait le commentaire, c'est pour appeler les autres. Elle partage son mur. Elle est présente. Dès qu'elle est fatiguée, elle descend. L'Ofombo travaille. Elle pouvait aussi faire ça dans tes émissions, la blaboutine. Tu pouvais lancer tes émissions comme ça. Puis tu reviens là encore d'abord. C'est pour alerter aux pipi manioc que tu es en direct. Mais dis-moi, quand est-ce qu'elle a fait ça pour toi? Mais toi, tu as laissé tes enfants pour aller soutenir Pipitologue à l'émission sans récompense. Oh, pitation for you, la blabutine. Heureusement que tu ouvres tes yeux. Hein. Heureusement que tu ouvres tes yeux, enfin. Heureusement. Le problème de Pipi est qu'elle veut occuper tout l'espace. Ne lance personne et celles qui vont vers elle, c'est juste pour... Oui, 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 oui. Tu as tout dit, maman. Tu as tout dit pour le côté là. Oui, oui. Pipi sait que si elle te propulse, on ne va plus écouter sa télévision. C'est que les gens vont trouver en toi un talent très, très caché. C'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas. Elle n'a jamais aimé la blabuti. Franchement. Disons même que négligeons mon Pipitologue. Dimtet. Borosangi, qui est ta cousine. Tu as vu, non, ce qui s'est passé à la cousine de Diana Mano. Tu as vu, un peu. Tu dis que Borosangi, tu penses, c'est toi qui penses que Borosangi te yamoué. C'est toi qui penses ça. Sinon, si tu veux que Borosangi te supporte, que tu veux que Borosangi est présente à chaque fois que tu lances les lives, tu dois faire les directs. Tu dois laver Mafou ou compresseur nuit et jour. Si tu veux, tu essayes. Tu vas voir. Tu vas voir comment les gens là vont te suivre jusqu'à. Comment à chaque fois que tu vas vouloir lancer le live, elles vont éteindre leur live. Parce qu'elles savent que tu vois que c'est ton tour de parler. Tu as vu ce qu'ils font à Dorcas, non? Tous les jours, ils sont chez Dorcas. Tu crois qu'ils sont chez Dorcas, pourquoi? Tu crois parce qu'ils aiment trop Dorcas. Parce que Dorcas travaille pour eux. Oui, oui. C'est parce que Dorcas travaille pour eux. Donc, au moins, comme tu ouvres l'œil là, quand tu ouvres les yeux, c'est bien. Et tu as, tu supportes. Attends, je vais un peu à l'utilisation pour voir si. Voilà une dame que son tout s'est ajouté. Donc, ça veut dire que, je sais pas. Donc, comme tu ouvres tes yeux là, d'une part, c'est bien la blaboutine. D'une part, c'est bien. Mais ne retombe plus dans le piège parce que toutes ces personnes ne te servent à rien. Pipi ne va jamais payer ton loyer. Pipi ne va jamais nourrir tes enfants, jamais de la vie. Donc, oublie-les. Oui, oui. Je vois, tu fais même parfois tes vies. Tu as fait ton direct l'autre jour. Tu as commencé à... Il y a une là, Nancy Kento. Tu crêtes quoi, Blabuti? Qu'est-ce que tu crêtes avec Nancy Kento? Tu peux nous expliquer? Nancy Kento te sert à quoi? Tu vois, tu fais beaucoup des éloges à Nancy Kento là. Tu lui fais beaucoup des éloges. Non mais attends. Elle te sert à quoi? Nancy Kento.
partage tes directs. Attends, j'ai deux téléphones, non. Attendez, je montre. Vous savez, chez nous, chez les abeilles, on a les deux téléphones, on a les trois téléphones. On n'est pas les sous-fauteux. On a le matériel pour travailler. Quand on décide de défendre nos copatrons, on fait ça propre et bien. La blague où tu n'es pas haineuse, elle a l'air douce. Attendez, je cherche Nancy Kento là. La blabuti. Voici les vidéos que Nancy Kento découpe. Où sont tes vidéos, la blabuti? Où sont tes vidéos qu'elle a téléchargées pour tes émissions? Qu'elle a téléchargées, que tu as fait un très beau direct. Je vois, elle découpe les vidéos des gens. Voilà les vidéos qu'elle découpe. Elle découpe toutes les vidéos. Hein? Il y a une seule de tes vidéos que tu as partagée, où tu t'engages de lui faire les éloges, parce qu'elle aime bien les éloges. Elle aime bien les éloges. Quand lui, cette personne, ça sont les vieilles chouettes, elle ne te sert à rien. Elle ne te sert à rien. Tu es leur star. Tu comprends la blague? C'est toi, tu es la star de Nancy Kento. Elle doit être fan de toi. Tu ne dois pas être fan d'elle. Tu as compris? Tu es une blogueuse. Une fille qui ne parle même pas d'abord le français. Elle vient dans ton live. Tu lui fais les éloges comme si elle était le président de la République. Hein? Non, tu fais trop. Laisse ces personnes t'apprécier aussi. Que Nancy Kento lance aussi le direct, elle t'apprécie. Elle t'encourage. Ça, c'est quoi ça? On est où là? Demande aux ténébreux de lancer le direct pour t'encourager. Parler bien de toi, on voit. Tu es toujours en train de les apprécier comme si c'est quoi? Hein? Oh, Nancy Kento. Franchement, c'était le goûter ici. Je serai en direct, puisque comme ils ont boycotté, ils empêchent aux abeilles de parler ce soir. On va lancer le direct samedi. Sur l'autre compte. Oh, oui. On va voir si on ne doit pas parler. Parce que pour le moment, vous avez signalé mon direct. Vous avez empêché les gens de monter dans mon direct. Oui. Vous avez bloqué les... Oui. Il n'y a pas de souci. C'était le goûter ici. Oshiga, Patricia Grone, avec Amek Amé. Oui. Je vais causer Amek Amé. Amek Amé, si tu me donnes l'occasion de poster, comme elle vient nier là, elle vient montrer comme si... Elle est seulement dans le cadre de travail avec toi. Et pourtant, elle fait le vrai boulot. Elle fait la danse des blancs derrière. Si tu me donnes l'occasion, je balance ça. Il y a quoi ici? C'est quel commentaire ça? On n'a jamais voulu qu'elle lève la tête. Pourtant, elle développe de très bons thèmes, la blague putain. Si elle lève la tête, elle va leur faire de l'ombre, franchement. Oui. Elle va faire quoi? La blague, ça c'est une team. Les abeilles, c'est une team que si tu fais le bras de fer, les abeilles, tu es terminé, ton blog est fini dans les réseaux sociaux. Si tu fais le bras de fer avec les abeilles, c'est que ton blog est terminé dans les réseaux sociaux. De un, il te dit d'abord une vérité. Sache que les patrons ne vont jamais venir dans ton live. Parce que tu n'as pas encore accompli la vraie tâche pour le côté-là. Et maintenant, si tu veux un peu de compassion, ce sont les faux profils-là qui peuvent te fabriquer. Voilà une vérité comme on t'a dit. Voilà. Pour ce soir, j'en ai terminé. Bisous à tous ceux qui ont écouté le live. Merci à tous ceux qui ont partagé. Je vous aime bien, mais je me préfère. Bisous à vous. Oui, Barry, le direct est fini. Tu vas regarder le direct plus tard. Bisous. Il y a des gars qui me cherchent à TikTok. Il veut quoi encore? Il y a des gars qui me cherchent à TikTok. Ils viennent m'envoyer le live. C'est mon ami qu'on dit qu'il n'a pas donné les 2 millions à la petite fille là. Il a donné les 2 millions. Il a en direct. Ah, c'est chaud, hein. Il faut m'envoyer 100 000 balles.
tu es fou, tu vas en Boom TV, trace machin. Non. C'est lui ici. Le nouveau là, non. On dit qu'il n'a pas donné les 2 millions. Il a... C'est lui ici. Il a donné les 2 millions. Il a donné. On veut juste lui faire le chantage. C'est lui ici. Il a l'habitude d'aider bon, n'importe qui en fait. Bon, si tu veux pas, je peux écouter ça. Tu dois. Donc, je veux pas entrer dans le live. C'est ça pourquoi il m'appelait. Bon, bref, la famille, je vous aime bien. Bisous à vous. Oh, ça c'est quoi ça?